Bourrico. Tu veux un papillon? Oui, il a toujours son chapeau œuf, mais il porte toujours sa chemise rapiécée là. Waouh, il est terminé le Diplodocus. Les deux plus gros fossiles sont terminés. Incroyable. Alors, il est où le Smilodon? Ah bah oui, il est là. Tu veux une sauterelle? Donc il est là. J'aime bien quand les habitants ils visitent un peu le musée, c'est rigolo. T'as la sphère et deux murs bambou. Moi, je veux bien la sphère, Néméa. Si tu as trois morceaux de bambou, tu peux le faire tout de suite. Trois morceaux de bambou jaune ou pas? Ah, t'as fait la sphère. Parce que, ouais, du coup, je regardais pas trop le Discord en même temps que je jouais. Tu peux la trouver juste devant ta zone à bambou. Elle est personnalisable. Peut faire le chapeau et la sphère. Je veux bien, ouais. Pas de soucis, ouais. Ah, t'étais chez Iva. C'est cool. Tu me dis si t'as besoin de bambou, hein. J'ai tout ce qu'il faut en bambou, j'ai juste pas assez de pousses de bambou pour ça. Il faudrait que je retente une expédition Nook Miles, mais j'attends que mes Nook Miles remontent un petit peu. Parce que je suis un peu short en Nook Miles avec toutes les dépenses que j'ai fait pour l'île. Mais si t'as besoin de bambou, j'ai des jeunes pousses de bambou et du bambou normal. Et pour les murs, je vais te montrer. Les murs, moi j'ai ceux que je veux déjà, donc je pense pas avoir besoin de plus. Je sais faire ces deux murs-là. Enfin, ces deux murs-là. Je sais faire ce mur de forêt de bambou et je sais faire le sol. Ah non, je sais pas faire. Ah si, je sais faire le sol en bambou. Donc je pense que je vais me contenter de ces deux-là. Parce que si je retourne sur Nuka Zone.
L'autre parterre de bambou, il ressemble à quoi? Il n'y a qu'un seul parterre de bambou, il n'y en a pas deux? Ah ouais, il y a plusieurs murs, mais il n'y a qu'un seul sol. Ok. Mais moi, je préfère ce mur-là. Il est plus joli, je trouve. Il est plus clair, plus agréable à regarder. Après, j'ai pas la baguette non plus, mais comme j'ai déjà la baguette poisson, la baguette œuf et la baguette de Céleste, je pense que. Et la baguette Sakura. Je pense que niveau baguette, ça va. Je suis large. T'as tout ce qu'il faut, t'as des bambous chez toi. Nice. Moi, il faudrait que je reparte en expédition pour récupérer des pousses de bambou. J'aime bien les villageois qui se saluent entre eux, c'est rigolo. Je réfléchis un peu à l'arrangement de mon île. Je pense que niveau rente, on est bon. J'ai couvert à peu près tout ce qu'il y avait à couvrir. En vrai, j'aimerais bien tenter de caser un pont par là, mais j'ai peur que ça passe pas. Déjà, là, j'ai des décorations, donc ça passerait pas. Peut-être là alors, mais il faudrait que je rende les surfaces plus plates. Je pense que je vais rajouter deux ponts. Un par là. Et un par là. Je pense que je vais faire ça, ouais. Mais va falloir un peu terraformer tout ça parce que sinon les ponts vont pas pouvoir se placer correctement. Marie a fait dodo. On va la laisser dormir. Comment elle fait pour faire dodo comme ça? Moi je tomberais. J'ai rien de nouveau dans les plans, en fait, je me souviens plus. Je crois pas. Non, 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 non. Non, j'ai rien de nouveau. J'ai juste le stand. Vous savez quoi? Je vais acheter le stand et on va le poser. Ouais, non, il n'y a rien de nouveau. En 3 millions, non mais c'est pas la peine. Je commanderais bien un télescope et un siège de maître nageur. Je vais faire ça. Et je les mettrai tous les deux sur la plage. J'ai beaucoup de décorations sur la plage. Et voilà, je suis à nouveau pauvre en Nook Miles. C'est pas aujourd'hui qu'on partira en expédition.
Alors, j'imagine que ici ça va pas le faire parce que les surfaces sont pas égales. Là, ils veulent foutre en diagonale. Mais non. Mais... Ah bah oui, c'est vrai, c'est tellement petit que j'avais même pas besoin de ça. Mais non. Alors, est-ce que c'est bon là? Normalement, ça devrait le faire. J'étais pas assez proche du bord. Ah. Voilà. Mais non! Voilà. Voilà.
Ça, j'ai un pont là et je mettrais bien un deuxième pont ici. Je pense que je ferai du terraforming quand j'aurai le pont pour voir un peu à quoi ça ressemble et comment poser le pont. Pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Alors, j'ai 1280 miles nook. On va pas pouvoir faire grand chose avec ça. Je propose qu'on se fasse une petite session pêche. Non mais genre. Mais tourne-toi, merci. Oh. Villageois dissident. Ah oui, je vais aller ranger tout ça. Tant que j'y suis. Ah, il faut que j'aille taper les bambous aussi. Alors, j'ai le hoquet. Okay. Ah oui, je voulais faire mon stand. Mon bébé d'amour, je t'entends. Il me faut du bois, tout simple. Ah oui, je veux aussi le personnaliser. Donc il me faut le kit de personnalisation qui est là. Non, je me suis trompé de bouton. Alors. J'aime bien celui-là. Ah oh oui, un petit stand avec les piou-piou. Ah non, je le veux avec les piou-piou. Parfait. Il n'y a pas grand chose sur la plage d'à côté, là où il y a des cocotiers, donc je vais aller le mettre sur la plage aux cocotiers. Ah, maintenant je voulais que tu le mettes sur le stand. Ah, je voulais mettre des trucs sur le stand, moi. Ah, le poisson, ça marche. Théo, tu veux une chaise? Ah, je peux pas lui faire des cadeaux. Kiki, je vais déjà faire un cadeau. Bon ben, j'irai vendre mes chaises. Ah, c'est bon, ça a lâché sur le stand. Voilà.
petit stand de vente de pêche et coquillages, de poissons et de coquillages. Ah. Soit. Bah alors les poissons, ils sont où? C'était le petit moment arrosage. Alors les petits poissons. Les petits poissons. Oui, c'est un poisson. Tapez mon bambou. J'ai oublié. Mes bambous. Ah bah bien, on profite des jeunes pousses de bambou. Ah bah quand même. Plutôt radin aujourd'hui sur les pousses de bambou, hein. Enfin sur les jeunes pousses de bambou. Eh bah décidément, je vais aller faire ceux qui sont près de la plage aussi. Ils veulent que j'attrape quoi comme un macaron? Et que je parle trois fois aux villageois. Ça devrait le faire. Un bar sur le bateau, le barbare. Peut-être que je finirai par construire un pont ici aussi pour relier les deux rives, même si on peut déjà faire le tour grâce aux rampes. Peut-être que je construirai un pont.
Alors, 3 habitants. Est-ce que Théo est toujours sur la plage? Déjà, Olympe. Mon costume de sushi à l'œuf est de saison, c'est incroyable. Ouah, Kiki qui demande des nouvelles d'Indigeste. Je sais pas si Indigeste est toujours là. Et Mistigri, et c'est bon. Voilà, j'ai mes 3 habitants. Juste par curiosité, je vais voir ce que dit Marie sur l'île. La dernière fois, c'était plus de construction, plus de meubles extérieurs. Donc là c'est pareil, ouais, toujours plus d'objets. Ok. Toujours plus d'objets. Salut Samy. Bon, pour l'instant en tout cas, elle est pas en mode clôture, donc tout va bien. On peut relâcher la pression des clôtures. Je bloque pas, je viens juste. Enfin, je les ai débloqués hier, les 4 étoiles, ou avant-hier, je sais plus trop bien. Mais du coup, ouais, je travaille tout doucement sur le 5 étoiles. Et bah, du coup, il me faut plus d'objets extérieurs, comme elle le dit. Normalement, j'ai fait assez de clôtures parce qu'elle m'en demande plus. Mais ça se trouve, elle va encore en redemander plus tard. On verra bien. C'est l'étoile qui t'a pris le plus de temps. Tu l'as eu ce matin. Oh, bravo! Bah, je vais le faire à mon rythme, tout doucement. Et puis, s'il faut plus de clôture, je rajouterai plus de clôture. Mais je le fais à mon rythme aussi. Donc, c'est plutôt cool. Puis ça fait un petit défi sur la longueur. J'aime bien. J'ai commandé plein de trucs déjà, donc j'attends de recevoir les plans, enfin les objets par la poste. Ah mais c'est très vite addictif, hein, Animal Crossing. Ça, on se perd très facilement dans Animal Crossing jusqu'à en oublier l'heure qu'il est. C'est pour ça que moi entre guillemets, je me limite à le faire en stream, comme ça je sais combien de temps je passe dessus à peu près. Ça fait une bonne semaine qu'on est à 4 étoiles ici, mais la cinquième arrive vraiment pas. Eh ben dis donc, pourtant ton île elle est. Enfin, votre île plutôt, parce que vous la partagez. Votre île elle est vachement belle. En plus, il y a plein de fleurs rares et tout. Ah oui, ça, c'est vrai que ça donne un bon repère pour pas rater les dimanches. C'est possible que ça compte, ouais. Oups. C'est possible que ça compte les mauvaises herbes. En général, c'est pas super positif les mauvaises herbes, ouais. Viva yes!
qui va se tourner dans le bon sens ou pas? J'attends de voir avant de relancer. Oui, c'est bon. Un petit poisson clown. Combien j'ai de place encore dans mon inventaire? Oh, ça va. Ah oui, j'ai pas fait les bambous de la plage. Faut que j'y retourne. Hop. Non, puis vraiment, il faudrait que je... Maintenant que j'ai fini d'acheter tous les différents plans, il y a juste le plan du stand qui, bizarrement, est toujours présent dans la machine Nook Miles. Maintenant que j'ai acheté tous les plans possibles et que j'ai acheté tous les meubles que je voulais, je vais essayer de rééconomiser et on fera un petit stock de tickets Miles et on essaiera de trouver des îles à bambou et autres îles mystères pour se refaire un peu du matos parce que... Surtout le bambou en fait, il faudrait que j'arrive à rechoper des petites pousses. Par exemple pour faire la lumière. La jeune pousse de bambou qui sert de lumière, il me faut des pousses de bambou et j'en ai que 3. Et je crois qu'il m'en faut 5 ou 6. Il m'en faut 5 et j'en ai 3. 3 que j'ai reçus via Porcelette. Oui, j'ai 2 chats même. Et j'en ai un troisième qui va arriver. J'ai Mistigri, j'ai Kiki. Et j'ai Momo qui est au campement, que je suis en train de travailler pour qu'il vienne s'installer sur mon île. Donc là, c'est la première fois que je le fais venir aujourd'hui. Et dans 2 jours, il pourra s'installer sur mon île. Encore un bandana Paisley! Paisley, je sais pas comment tu le dis. J'en ai déjà refilé un à Gonzo. Qui je vais pouvoir leur filer ce coup-ci? Alors, quelle gueule il a? Est-ce que c'est la même couleur que celui que j'avais? Non, celui-là il est jaune. Voyons voir. Est-ce que Bourrico est rentré chez lui? La dernière fois, il était au musée, mais ça se trouve, entre-temps, il est rentré. Il y a de la fumée, il a l'air d'être chez lui. Ah, mais je lui ai pas offert un truc au musée. Si, je lui ai offert un papillon, donc je peux pas lui faire de cadeau. T'es pas là, t'es pas là. Théo, je lui ai déjà offert un truc ou pas, je sais plus. Bon. J'ai dû déjà lui faire un cadeau. Du coup, j'ai rien lu de ce qu'il a dit. Gonzo, je lui ai filé le bandana tout à l'heure. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais être gentil. On va offrir ce magnifique bandana à Kolala. Parce que de toute manière, vu que je vais la dégager avec Momo, qui va arriver en ville, du coup, je m'en fiche si elle m'aime bien ou pas. Vu qu'elle partira quand même, donc un pneu. Non, une carpe koi. Nice. Je sais plus si je suis déjà rentrée dans sa maison. Ah si, oui. Une table bloc de bois, mais je connais déjà ça, non? Ouais, je connais déjà ça. Ziva. Non mais ça suffit, Kolala. De toute manière, t'es bientôt plus là. Dans quelques jours, adieu, Kolala. Merci. J'aime bien mettre des hymnes de Zelda dans mes Animal Crossing. C'est parfait. C'est parfait, je te laisse tranquille. Ce sera ton cadeau d'adieu, Kolala.
Donc ça, je le connais déjà. Je vais aller vendre un peu tout ça. Oups. Je vais garder les bambous avec moi. Si j'arrête de mal positionner mes trucs. Voilà. Les chaises, je vais les vendre aussi. On va les refaire un petit coucou à Momo. Parce que je l'aime bien, tant qu'il est là. C'est tellement cool qu'on puisse enfin courir sur l'herbe. Maintenant qu'on peut choisir les patterns qu'on met par terre, du coup, bah, tu peux courir sur l'herbe, ce sera jamais abîmé. C'est tellement bien. Regardez-le comment il est trop chou! J'ai tellement hâte qu'il soit sur mon île. Il me faut cette chanson. Ah! Je crois que c'est Bossa de Kéké, quelque chose comme ça. Je la veux. Elle est trop bien. Je l'ai. C'était une de mes chansons que j'avais mis dans mon ancienne maison sur New Leaf. Par curiosité, 55 clochettes. Heureusement que je les ai vendues chez une amie. Heureusement que j'ai revendu mes navets ailleurs parce que c'est pas chez moi que je vais faire fortune, hein, franchement. Ah bah ça, la musique de 5 heures, elle est vachement cool. Est-ce qu'il y a un petit poisson sur la berge? Non. Néméa disait que sa copine racontait que la musique de 4 h du matin est vachement bien. Donc si jamais il va, tu ne dors pas à cause de l'UF, si c'est le cas, je te tape. Et que tu joues à Animal Crossing à 4 h du matin, tu me diras comment est la musique. Moi non plus, à 4 h du matin, je dors. Ça vibre fort. C'est un bar. Je suis content de revoir des bars. Je préfère les bars aux œufs. Le seul inconvénient de mon lac cœur difforme, c'est qu'il est très large et donc du coup pour choper un poisson, c'est compliqué. Faudrait que je refasse des arches en pierre pour les autres rampes. Mais il faut que je me refasse une réserve de cailloux pour ça. Le barbare.
Alors, à quoi ressemble la maison de Condor maintenant qu'il est installé? Avec un peu de chance, il bricole un truc et je vais récupérer un plan. Condor aussi, je vais le faire partir. Ah non, il est malade. Bon, je vais l'aider, je vais lui chercher un remède. Je suis sympa, je suis comme ça. Mais après avoir fait un peu de pêche. Je vais t'aider, mais pas tout de suite. Y a rien de ce côté-là. Oui, ils sont animés, il y a plein de papiers peints qui sont animés maintenant. Et lui, il a la foule en délire d'un match de catch comme papier peint. Et moi, j'ai le, grâce à un ami qui m'a crafté toute la collection de Sakura parce que j'avais zéro plan. Enfin, si, j'en avais deux. Maintenant, j'en ai trois d'ailleurs. J'en ai eu un troisième sur le dernier jour. Ou avant-dernier jour, enfin peu importe. Du coup, le papier peint des Sakura qui est aussi animé. Et je trouve que les papiers peints animés, c'est super beau. Pareil, les anciens papiers peints d'extérieur, par exemple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Par exemple, le ciel, juste un papier peint ciel, et ben le ciel il bouge. Ou les papiers peints style de la ville, ça, il y a un espèce de petit effet 3D quand on bouge un petit peu dans le dans l'appartement, c'est vachement stylé. Et je trouve que c'est une super idée qu'ils aient fait ça. Le papier peint nuage a une brume au sol. Oh, c'est joli ça. Ça doit être chouette. T'écris des bêtises. Oh. Et moi, je regarde le chat et je me prends tous les arbres. Ouais, je pense que même si j'ai fait des rampes des deux côtés, je pense que je mettrais un pont au milieu ici. Genre là. Juste histoire de. Donc j'ai un pont en préparation et j'en ai encore deux en réserve, ce qui fait que j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rampes sur 8, les deux. Je pense pas que j'en ferai plus que ça après. Eh ben dis donc. Tout ça pour une loge d'étang. Tenue de rugby, non mais non. Le véritable remède, c'est l'amitié qui nous lie. Alors comment t'expliquer, Condor? C'est pas que je tiens à te virer, mais... Pas le titre de la chanson. Alors, je voulais savoir quelle chanson c'était. Bon, ce soir, il faut que je pense à pêcher si je suis en forme.
Même si je joue un GBF un peu à côté, je veux pêcher d'autres tortues serpentines pour pouvoir avoir une sculpture de tortue serpentine pour pouvoir la poser à côté de ma tortue serpentine, et ça fait beaucoup trop de fois que je dis le mot tortue serpentine. Oui. Oui. Bravo. Ah bah non! J'en ai pas de réserve en plus. Non. J'en ai pas de réserve. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour faire un filet? Il faut du bois normal ou des petites branches? Des petites branches et après une pépite. On va aller faire ça. On pouvait en poser une chez nous. Tu veux faire ça? Oui, bah oui, j'en ai une à la maison. Justement, c'est trop bien. Du coup, je veux la prochaine fois que Pollux passe, je veux pouvoir avoir la possibilité de demander une sculpture de tortue serpentine parce que c'est trop cool. Et à ce qui paraît, l'Atlas Moss aussi, je ne sais plus comment c'est en français. Je vais regarder parce que sinon ça va me. L'Atacus. Atlas. Apparemment, quand on en demande le modèle à Jason, le modèle est super grand. Il est énorme. Peut-être qu'un de ces quatre, je ferai ça aussi. D'ailleurs, il est disponible de camp à camp. La nuit. Oh, bah ça va, de avril à septembre. J'aurai le temps de le trouver éventuellement. Ça va. Papillon Atlas. Oui, c'est vrai, tout simplement, ouais. Moi j'en ai fait quelques-unes. Je vais te montrer. Ah je passe pas. Ah, si voilà, il faut faire le petit enjambement. J'ai fait une chevesne mais que j'ai pas exposée. J'ai fait un macaron que j'ai exposé par contre. Qui est là mon petit macaron. Il est tout petit. Et la chevesne, elle est là, voilà. Ils sont comme ça les modèles de poissons. En tout cas, celui que j'ai. Peut-être que je pourrais mettre ça dehors aussi, tiens. Ça aussi, je peux le mettre dehors. La glacière décorée. Est-ce que je la... Non, je ne la mets pas dehors. Je vais mettre la lanterne près du campement. Ok. Et je vais entreposer ça. Mais non, pas lâcher. Chaque fois, je me fais avoir. Et j'ai besoin d'une pépite. Je vais faire deux filets. Donc j'ai besoin de deux pépites. Ah bah c'est parfait, j'ai un tas de deux. Voilà. Hop, ça va là. Ça va là. Et ça, c'était quoi? Ah, il a tenue de rugby, fais voir. Ouais. Je vais la garder pour le cas où un jour Ticket elle demande une tenue sportive. Au moins avec la tenue de rugby, j'aurai ce qu'il faut. Et la tortue serpentine, du coup, elle est juste là. Ça c'est mon débarras. Je ne sais pas quoi faire de cette pièce. Je la transformerai peut-être en pièce à bambou quand j'aurai plein de trucs de bambou. Puis moi j'aime bien parce qu'elle fait quand tu la touches. Du coup ça me fait rire. Mais je pense que ce débarras, tout ça, la pièce un peu où il y a tout et n'importe quoi, je la foutrais au sous-sol.
Enfin, ça va dépendre de la taille que prennent les meubles bambou. Mais peut-être que je referai cette pièce-là au sous-sol, du coup. Par contre, la tortue serpentine, elle restera dans cette pièce-là. Elle sera dans ma forêt de bambou. Du coup, je peux te montrer aussi les autres pièces. Là, c'est ma pièce spéciale Sakura. Avec un petit bélier en plus. Et pareil, les murs sont animés, il y a des petites pétales qui tombent. Il y a tous les meubles Sakura plus deux boîtes à malice. Et c'est trop chou. Puis j'ai ce petit siège que j'ai enfin eu, que je voulais depuis longtemps, que tout le monde avait. Moi, je l'avais pas dans ma boutique, j'étais triste. Il a mis du temps à apparaître. Après, j'ai fait une espèce de pièce. À café? Je sais pas. Mais c'est une pièce où il y a des trucs. Voilà. Il y a du café, il y a du thé. Il y a un petit gâteau là-bas, il y a des mouchoirs, il y a des bouquins. C'est une petite pièce comme ça. Je sais pas trop quoi en faire, mais si l'inspiration me vient, je ferai quelque chose d'autre. Tu l'as pas non plus? Ah ouais, moi ça a mis super longtemps à venir. Du coup, quand je l'ai vue, je me suis jetée dessus. Et elles sont personnalisables. Et ça, c'est ma pièce. Ah là, j'ai un autre modèle de papillon. J'en ai demandé deux des papillons. Ça, c'est ma pièce un peu Jap, mais avec des trucs qui sont pas toujours très Jap. Voilà. Voilà. Alors, on a dit la lanterne près du camping. Le four en terre cuite, je vais le mettre où? Derrière chez moi. Et le séchoir à poisson, je vais le mettre près de la plage. Oh, elle porte sa petite chemise princière, Aurore, trop bien. Mais si, tu la portes très bien. Est-ce que tu veux un magnifique bar? Waouh, merci. Voyons voir où je pourrais foutre le four en terre cuite. Peut-être le mettre à côté du camping. Là, j'avais posé le stand. J'ai l'encre qui est là-bas. Je vais mettre le séchoir à poisson ici. Voilà. Un blazer emblème. Ça va. Je garde. Je vais mettre la lanterne sur la table. Et je vais mettre le four en terre cuite ici. Ah mais ils auront plus accès à l'eau si je le mets là. C'est l'heure de couper un arbre. C'est un ancien arbre à clochette, donc c'est pas très grave. Comment j'organise ça? Je le mets par là. Voilà.
Comme ça, il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a une petite table, il y a de quoi cuisiner. Ça me paraît pas mal. Je me demande comment ça va se passer. Maintenant qu'on sait comment ça se passe le tournoi de poissons, je me demande comment ça va se passer le tournoi d'insectes. Je sais pas s'il y en aura un ce mois-ci ou s'il y en aura un le mois prochain. Ah, le fameux bar indigeste. Je te parlais tout à l'heure, je me demandais un truc. Qu'est-ce que je racontais en disant, je sais pas si indigeste est là. Ah, je sais plus. Je sais plus. C'est terrible.